السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Saïb bin Ousman, radiyallahu anhu. Il appartenait à la tribu Banu Jumma. Et il était le fils d'Ousman bin Marzoum. Sa mère se nommait Khawla bint Hakim. Saïb était un des tout premiers musulmans. Saïb bin Ousman avait accompagné son père et son oncle Kudama lors de la deuxième immigration en Abyssinie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a établi un lien de fraternité entre Saïb bin Ousman et Haritha bin Suraka Ansari après l'immigration à Médine. Saïb bin Ousman faisait partie des archers du saint prophète Mohammed bin Sassoui. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et dans d'autres batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète Mohammed bin Sassoui accomplit l'expédition de Bouat, il avait nommé Saïb bin Ousman comme émir de Médine. Hazrat Mizabashir Ahmad Saab a commenté sur l'expédition de Bouat qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire. Il déclare qu'au dernier jour du mois Rabiul Awal ou au début du mois Rabiul Akhir, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a reçu des nouvelles à propos des Quraysh. Sur ce, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui emmena un groupe d'émigrants et il s'est mis en route. Il désigna Saïb bin Ousman bin Ma'zoun comme émir de Médine en son absence. Cependant, on ignorait où se trouvaient les Quraysh, et une fois arrivé à Bouad, le saint prophète Mohammed bin Sassoui est retourné. Bouad est un mont appartenant à la tribu Juhayna, situé à environ 48 milles de Médine. Saïb bin Ousman avait participé à la bataille de Yamama qui avait eu lieu en l'an 12 de l'Hégire lors du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Saïb bin Ousman a été touché par une flèche et il est décédé par la suite. Il avait un peu plus de 30 ans à l'époque.
Le prochain compagnon se nomme Zamra bin Amr Johani. Son père se nommait Amr bin Adi. Et selon d'autres ici, son père se nommerait aussi Bishra. Il était l'allié de la tribu Tarif d'après certains récits. Et selon d'autres récits, il était l'allié des Banu Saïda. C'était la tribu de Sa'd bin Obada. Les Arabes se liaient par des pactes d'entraide et c'est pour cette raison qu'ils faisaient des alliances. Selon Alama ibn al-Asir, il n'y a pas de contradiction ici car la tribu Tarif était une branche des Banu Saïda. Zamra avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Le prochain compagnon se nomme Sa'd bin Suhail. Il était un Ansari. On dit aussi qu'il se nommerait Saïd bin Suhail. Sa'd avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il avait une fille nommée Huzayla. On n'a pas plus d'informations à son propos. Ensuite, il y a Sa'd bin Ubaid qui est un autre compagnon. Il avait lui aussi participé à la bataille de Badr. Il était donc présent lors de la bataille d'Uhud, de Badr et dans toutes les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. On dit qu'il se nommerait aussi Saïd et il était connu sous le titre de Qari et son nom d'emprunt était Abu Zaïd. Sa'd bin Ubaid faisait partie de ses quatre compagnons qui, parmi les Ansar, avait collecté le texte du Saint-Coran au cours de la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Omer bin Sa'd a été nommé gouverneur d'une partie de la Syrie à l'époque du califat d'Omar. Selon un autre récit, Sa'd bin Ubaid officiait comme imam de la mosquée de Quba à l'époque du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, et il a aussi servi d'imam de la mosquée de Quba, même au cours du califat d'Abu Bakr et d'Omar, radiyallahu anhu. Sa'd bin Ubaid est tombé à martyr lors de la bataille de Qadisiyah en an 16 de l'Hégire. Il avait 47 ans à l'époque. Abdurrahman bin Abu Layla rapporte que les musulmans avaient été vaincus lors de la bataille de Disra en an 13 de l'Hégire. Les musulmans avaient subi là-bas de lourdes pertes. Les musulmans avaient battu en retraite et sont retournés. Le calife Omar a dit à Sa'd bin Ubaid, « Veux-tu accomplir le djihad en Syrie ?» Les musulmans ont été massacrés là-bas et ont subi de grandes pertes là-bas en Syrie aussi. Si tu le souhaites, tu peux partir là-bas, livrer bataille. Et cette défaite des musulmans a enhardi l'ennemi. Omar lui a dit, « Ce faisant, si tu participes à cette bataille, tu pourras laver le déshonneur de la défaite subie à Disra. » Parce que les musulmans avaient subi en effet la défaite là-bas à Disra. Omar lui a dit qu'il pourrait laver le déshonneur de cette défaite en partant en Syrie pour y livrer bataille. Sa'd a répondu « Non, je partirai uniquement là d'où j'avais pris la fuite. Je partirai combattre ces mêmes ennemis qui avaient eu le dessus sur moi. » C'est-à-dire qu'il a été vaincu par l'ennemi là-bas en Perse et il voulait retourner là-bas. Et c'est ainsi que Sa'd bin Ubaid est parti à Qadisiyah et il est tombé à martyr au combat. Abdurrahman bin Abu Layla rapporte que Sa'd bin Ubaid a déclaré « Demain, nous allons combattre l'ennemi et demain, nous tomberons à martyr. Vous ne devez pas laver le sang de nos dépouilles ou vous ne devez pas nous choisir d'autres linceuls hormis les vêtements que nous portions lors du combat. »
J'avais mentionné quelques détails à propos de la bataille de Dhisr dans un précédent sermon. Je mentionne d'autres détails ici à ce propos. La bataille de Dhisr a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire entre les musulmans et les persans sur les rivages de l'Euphrate. Abu Ubaid Sakfi était le général des musulmans et Bahman Jadawiya était le général des persans. L'armée musulmane était composée de 10 000 soldats et l'armée persane était composée de 30 000 soldats comprenant aussi 300 éléphants. Étant séparés par l'Euphrate, les deux armées ne se sont pas confrontées pendant quelque temps. Ensuite d'un commun accord, toutes les deux ont décidé de bâtir un pont, d'où le nom de Dhisr. Et c'est pour cette raison qu'on nomme cette bataille la bataille de Dhisr. Lorsque le pont a été jeté, Bahman Jadawi a envoyé le message suivant à Abu Ubaid. Traversez le pont pour venir jusqu'à nous ou permettez-nous de le faire. Abu Ubaid souhaitait que l'armée musulmane traverse le pont pour livrer bataille contre l'adversaire. Mais les chefs de l'armée, dont Slit, avaient un avis contraire. Abu Ubaid a traversé l'Euphrate et a lancé cette attaque contre l'armée persane. Le combat a duré pendant quelque temps et par la suite, voyant que l'armée persane s'était dispersée et avait battu en retraite, Bahman Jadawiya a ordonné qu'on fasse venir les éléphants. Leur assaut a brisé les rangs des musulmans. Et sur ce, Abu Ubaid ordonna aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, attaquer les éléphants et trancher leurs trompes. Abu Ubaid avança, il trancha la trompe d'un éléphant. Le voyant, les autres soldats livrèrent bataille avec vigueur et tranchèrent les trompes et les pattes des éléphants et tuèrent leurs passagers. Abu Ubaid se retrouva face à un éléphant et lui trancha la trompe, mais il fut écrasé par sa patte et tomba en martyr. Par la suite, cet individu portèrent le drapeau musulman à tour de rôle avant de tomber en martyr au combat. Le huitième se nommait Musanna, il prit le drapeau musulman et tenta de lancer une attaque vigoureuse. Or, les rangs de l'armée musulmane étaient défaits. Et les soldats musulmans avaient pris la fuite en voyant que sept de leurs chefs étaient tombés en martyr. D'autres avaient plongé dans la rivière. Musanna et ses compagnons se battirent courageusement. Il a été blessé et il est retourné en traversant la rivière. Les musulmans avaient subi de grandes pertes lors de cet incident. 4000 soldats musulmans étaient tombés en martyr, tandis que les persans avaient perdu 6000 soldats. Cette bataille avait eu lieu en raison des attaques incessantes des persans. La permission a été prise pour arrêter leurs attaques. Sahal bin Atik est un autre compagnon. On le nommait aussi Souhel. Sa mère se nommait Jamila bint Al-Kama. Sahal bin Atik avait participé à la deuxième Bayra d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Souhel bin Rafé est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Najjar. Le terrain sur lequel était bâtie la mosquée du prophète lui appartenait et appartenait aussi à son frère. Sa mère se nommait Zahba bint Sahel. Souhel avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à la bataille du Fossé et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il décéda à l'époque du calife Omar. Je présente ici quelques paroles de Hadrat Muslim Maoud à propos de l'immigration du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, à Médine.
Il déclare à ce propos, quand il est arrivé à Médine, eh bien, chacun souhaitait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, loge chez lui. Lorsque sa chamelle traversait une ruelle, les familles s'alignaient pour le recevoir. Ces gens disaient au prophète d'Allah, « Nous voici avec nos maisons, au prophète d'Allah. Voici nos biens, voici nos vies pour vous recevoir. Nous sommes prêts pour vous servir. » Nous sommes là pour vous protéger. Venez vivre avec nous. D'autres, allant plus loin, s'avançaient et saisissaient les rênes de sa chamelle et insistaient que le Saint-Prophète descendît devant leur maison et entra chez eux. Mais le Saint-Prophète refusait en disant « Laissez ma chamelle, elle marche aujourd'hui sous le commandement de Dieu. » C'est-à-dire qu'elle suivra l'ordre de Dieu et elle s'arrêtera là où Dieu voudra qu'elle s'arrête. À la fin, la chamelle s'arrêta tout près d'un terrain qui appartenait à un des orphelins de la tribu Banu Najjar. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « Il semble que c'est là que Dieu souhaite que nous nous arrêtions. » Il se renseigna sur le propriétaire du terrain. Ce terrain appartenait à des orphelins. L'administrateur de leurs biens offrit le terrain au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré qu'il n'acceptera pas ce terrain en cadeau. Le prix fut convenu pour l'achat du terrain et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, décida de faire construire une mosquée et des maisons. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué d'autres détails dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin. Il écrit que la première tâche accomplie par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à Médine était la construction de sa mosquée. Le lieu où son chabou s'était arrêté appartenait à deux enfants de Médine, nommés Sahal et Souhail, qui vivaient sous la tutelle de Asad bin Durara. C'était un terrain vacant sur lequel il n'y avait que quelques palmiers dattiers. Et dans un autre coin du terrain, il y avait quelques ruines. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donc choisi ce terrain pour construire sa mosquée ainsi que ses propres quartiers. Ce terrain a été acheté pour le prix de 10 dinars. La surface a été nivelée et débarrassée des arbres, après quoi la construction de la mosquée Nabawi a débuté. Selon un autre récit, c'était Abou Bakr qui offrit la somme pour l'achat de ce terrain. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, supplia Dieu et posa lui-même la première pierre de cette mosquée. Et comme ce fut le cas lors de la construction de la mosquée de Quba, les compagnons ont travaillé comme maçons et comme ouvriers. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, participait aussi parfois. À l'occasion, tout en soulevant des briques, des compagnons récitaient le couplet suivant d'Abdullah bin Rawaha. Il disait « Hazal himalullah himala khaybar, hava abbaru rabbana wa adhara. » Ce fardeau n'est pas comme celui des marchandises commerciales de Khaybar qui arrivent chargées sur des dos de chameau. Ô notre Seigneur, c'est le fardeau de la vertu et de la pureté que nous portons pour ton plaisir. Parfois, les compagnons récitaient ce couplet suivant d'Abdullah bin Rawaha. Ô Allah, la vraie récompense est la récompense de l'au-delà, de par ta grâce, répand sur les Ansars et sur les émigrants tes nombreuses faveurs. Quand les compagnons récitaient ce couplet, eh bien, parfois, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, se joignit également à eux, et il récitait ces couplets ou ces vers. Ainsi, après une longue période de travail acharné, la mosquée fut achevée. La structure de la mosquée était constituée de dalles et de briques assemblées entre des piliers de bois. À l'époque, pour renforcer les bâtiments,
On plantait des piliers de bois pour ensuite placer entre ces piliers des briques. C'était ainsi un moyen pour renforcer la structure. Le toit était recouvert de troncs et de branches de dattier. Des troncs de dattier ont été placés à l'intérieur de la mosquée pour soutenir le toit. Et jusqu'à ce que la construction d'une chaire ne soit proposée, le saint prophète, paix soit sur lui, s'appuyait sur l'un de ses piliers en prononçant son sermon. Le sol de la mosquée n'était pas revêtu et quand le toit coulait après de fortes pluies, eh bien, le sol de la mosquée devenait boueux. En raison de cette difficulté, plus tard, un sol en gravier a été pavé. Au tout début, la mosquée était dans la direction de Jérusalem, mais après le changement de Qibla, cette orientation a été modifiée. À cette époque, la mosquée avait une hauteur de 10 pieds et elle faisait une longueur de 105 pieds et une largeur de 90 pieds. Et plus tard, la mosquée a été agrandie. Selon cette taille, eh bien, cette mosquée pouvait accueillir entre 1500 et 1600 fidèles. Une véranda était construite dans un coin de la mosquée, véranda appelée As-Soufa. Elle était utilisée par des mohajirines, des émigrants sans ressources et qui étaient sans abri. Ils restaient ici et étaient connus comme les Asrabo-Soufa. Ils étaient jour et nuit en compagnie du Saint-Prophète, paix soit sur lui, rendaient culte à Dieu et récitaient le Saint-Coran. Ses compagnons ne possédaient pas de subsistance permanente. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'occupait d'eux personnellement, et chaque fois qu'il recevait un cadeau ou quelque aliment était disponible à la maison, eh bien, il séparait leur part. Le saint prophète, paix soit sur lui, leur fournissait des aliments. En fait, souvent, le saint prophète, paix soit sur lui, s'affamait et envoyait tout ce qui se trouvait chez lui, chez les Asrabo-Soufa. Les Ansar aussi les aidaient dans la mesure du possible et ils faisaient pendre des grappes de dattes à l'intérieur de la mosquée. Cependant, malgré tout cela, ils étaient toujours dans un état de dénuement, un état qui atteignait souvent l'état de famine. Et cela a duré plusieurs années et certains de ses compagnons ont trouvé du travail en raison de l'expansion de Médine. D'autres ont reçu un soutien financier de la Baitul Mal, de la trésorerie nationale. Un lieu de résidence a été construit pour le Saint-Prophète, paix soit sur lui, à proximité de la mosquée. Sa maison était une toute petite chambre de seulement 10 à 15 pieds. Une entrée menait de la chambre à la mosquée, et le Saint-Prophète passait par cette porte pour se rendre à la mosquée pour diriger la prière. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a pris d'autres épouses, eh bien des logements supplémentaires ont été construits pour le saint prophète à côté du premier. Les maisons de divers autres compagnons ont été également construites à proximité de la mosquée. C'était là la mosquée du saint prophète, paix soit sur lui, construite à Médine. À l'époque, étant donné qu'il n'avait pas d'autres bâtiments publics où étaient accomplies des tâches importantes de la nation, eh bien, cette mosquée servait également de siège d'administration. L'assemblée du Saint-Prophète se tenait ici. Il y avait divers types de consultations qui avaient eu lieu. Les verdicts étaient rendus ici, et cette mosquée servait aussi de résidence aux invités. Toute tâche nationale était accomplie dans cette même mosquée. Et quand cela était nécessaire, eh bien, cette mosquée était utilisée pour les prisonniers de guerre. Et de nombreux prisonniers, en voyant les musulmans rendre culte à Dieu et en voyant l'amour mutuel des musulmans, eh bien, ils sont devenus par la suite musulmans.
Sir William Muir a fait allusion à cette mosquée. William Muir, qui est un orientaliste et qui était assez antipathique à l'égard de l'islam et du saint prophète Mohammed Pessoas à lui. Il écrit quand même à propos de cette mosquée, « Bien que le matériel utilisé pour construire cette mosquée était simple et que cette mosquée était relativement insignifiante en dimension, néanmoins cette mosquée a une importance glorieuse dans l'histoire de l'islam. Ici, le prophète d'Allah et ses compagnons passaient la plus grande partie de leur temps. Le service quotidien de la prière était publiquement accompli ici. La grande congrégation se réunissait chaque semaine et tremblait souvent en écoutant le discours du prophète et ses messages du ciel. D'ici, le prophète a planifié ses victoires. De cette mosquée, il envoya des émissaires auprès des rois et des empereurs, les invitant à brasser l'islam. Il reçut des ambassades, des tribus croyantes et contrites, et de là, il émettait des ordres qui causèrent la consternation parmi les rebelles jusqu'à la périphérie même de la péninsule arabique. Et non loin de là, dans la chambre d'Aïcha, à côté de cette mosquée, c'est là que le prophète rendit l'âme et fut enterré avec ses deux califes à ses côtés. Cette mosquée et ses chambres contiguës ont été construites en 7 mois environ, et le saint prophète, paix soit sur lui, a élu domicile dans sa nouvelle maison avec son épouse Sauda. Divers autres muhajirines, des émigrants, ont acheté des terres des Ansars de Médine et ont construit des mosquées à proximité de la mosquée. Ceux qui n'ont pas obtenu de terrain tout près de la mosquée ont construit leur maison à distance de la mosquée. D'autres ont acheté des maisons préfabriquées aux Ansars. En tout cas, Souhaïl et son frère sont chanceux d'avoir pu offrir leur terrain pour bâtir ce grand centre de l'islam. Le prochain compagnon se nomme Saad bin Khaythama. Saad bin Khaythama appartenait à la tribu Aus et sa mère se nommait Hind bint Aus. Abu Zuyah Norman bin Thabit était un compagnon de Badr. Il était le frère de Saad bin Khaythama. Ils avaient tous deux la même mère. Ses noms d'emprunt étaient Abu Khaythama ou Abu Abdullah. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi un lien de fraternité entre Saad bin Khaythama et Abu Salma bin Abdel Assad. Saad faisait partie des 12 chefs que le saint prophète, paix soit sur lui, avait nommés à la tête des musulmans de Médine lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Voici quelques détails sur ces 12 chefs ainsi que leurs noms et leurs fonctions. Dans son ouvrage « Sirat Khatam al-Nabiyyin », Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit ceci à leur propos. Il déclare qu'au cours du mois Dhul-Hijja de l'an 13 de l'avènement du prophète à l'occasion du Hajj, des centaines de personnes des tribus Aws et Khazraj sont venues à la Mecque. Parmi ces personnes, il y avait 70 qui étaient devenus musulmans ou qui étaient désireux d'embrasser l'islam. Ils étaient venus à la Mecque pour rencontrer le saint prophète. Moussab bin Omar les avait accompagnés. La mère de Moussab était en vie et elle était idolâtre, mais elle aimait beaucoup son fils Moussab. Lorsqu'elle a su que son fils était venu, elle lui a envoyé ce message. « Viens d'abord me rencontrer avant de partir ailleurs. » Moussab a donné la réponse suivante. « Je n'ai pas encore rencontré le saint prophète et je viendrai vous voir une fois que je l'aurai rencontré. » C'est ainsi que Moussab se présenta au Saint-Prophète, paix soit sur lui, et informa le Saint-Prophète sur des questions clés. Ensuite, il est parti visiter sa mère. Celle-ci était très en colère. Elle s'est mise à pleurer et à se plaindre en voyant Moussab. Moussab a répondu, « Mère, je vous dis quelque chose de merveilleux qui sera très bénéfique pour vous et qui mettra fin à tout désaccord. » Sa mère lui a demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Moussab a répondu, « Ma réponse est que tu dois abandonner le culte des idoles et tu dois devenir musulmane et croire dans le saint prophète. » Elle était une fervente idolâtre. En entendant cela, elle a commencé à faire du bruit en disant « Je jure par les étoiles que je n'entrerai jamais dans ta religion. »
et il a demandé à ses proches de capturer Moussab et de l'emprisonner. Mais celui-ci a pu s'échapper. Le saint prophète Mohammed lui avait été informé de la venue des Ansar par Moussab, et quelques-uns d'entre eux avaient également rencontré personnellement le saint prophète. À cette occasion, puisqu'on avait besoin d'une rencontre privée et collective, eh bien, après les rites du Hajj, des dates du milieu du mois Zulhijja ont été fixées pour cette rencontre. Ce jour-là, vers le milieu de la nuit, tous ces gens devaient rencontrer le saint prophète dans la même vallée que l'année dernière, afin qu'une réunion privée puisse se tenir dans la paix. Le saint prophète ordonna aux Ansar ne venez pas en groupe, mais arrivez par pair dans la vallée à l'heure convenue, afin que l'ennemi ne vous voie pas. Et ne réveillez pas les dormeurs et n'attendez pas les absents. Ainsi, à la date fixée, au milieu de la nuit, quand environ un tiers de la nuit s'est écoulée, le saint prophète, paix soit sur lui, a quitté son domicile. Il était accompagné de son oncle Abbas, qui était toujours un idolâtre, mais qui aimait quand même le saint prophète, paix soit sur lui. Et Abbas était un des chefs de la famille des Hashim. Tous deux sont partis dans cette vallée, et les Ansar n'ont pas tardé à venir par pair. Ils étaient 70, appartenaient aux tribus d'Aus et de Khazraj. Au tout début, Abbas, qui n'avait pas encore accepté l'islam, a déclaré « Ô Khazraj, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vénéré et aimé au sein de sa famille. » Jusqu'à ce jour, sa famille a assuré sa protection, et en cas de danger, elle s'est toujours tenue à ses côtés. Mais à présent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'intention de quitter son pays et d'habiter chez vous. Ainsi, si vous souhaitez l'accueillir chez vous, vous devez le protéger et vous devrez faire face à tous ses ennemis. Si vous êtes prêt pour cette tâche, eh bien, tout va bien, sinon, donnez une réponse franche. Car la franchise est meilleure. Bara bin Ma'rour était un homme âgé et influent de la tribu des Ansar. Il a déclaré « Abbas, nous avons entendu ton discours, mais nous aimerions entendre quelque chose de la bouche du saint prophète, paix soit sur lui, afin qu'il puisse exposer la responsabilité qu'il souhaite nous imposer. » Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a récité quelques versets du Saint-Coran. Il a décrit les enseignements de l'islam dans un bref discours. Tout en faisant allusion aux droits d'Allah et aux droits de ses serviteurs, le saint prophète a déclaré « Mon unique souhait est que vous me traitiez de la même manière que vous traitiez et protégez vos proches. » Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a achevé son discours, selon la coutume de l'Arabie, Al-Bara bin Ma'rour a pris la main du saint prophète dans la sienne et a déclaré « Ô messager d'Allah, nous jurons par le Dieu qui vous a envoyé avec la vérité. Nous vous jurons que nous vous protégerons, car nous avons grandi à l'ombre des épées. » Et il n'avait pas encore terminé sa phrase quand Abul Haytham bin Tahyan a intervenu et il a déclaré au messager d'Allah, nous avons de longues relations avec les juifs de Yathrib. En vous soutenant, nous allons briser nos relations avec les juifs. Nous avons peur que lorsque vous allez nous quitter et lorsque vous allez retourner dans votre pays natal, quand Allah vous accordera la victoire, eh bien, nous n'aurons plus d'alliés ni ici ni là-bas. Le saint prophète, paix soit sur lui, se mit à rire et déclara, « Non, non, cela n'arrivera pas. Votre sang est le mien, vos amis sont les miens. Et vos ennemis seront les miens. » Abbas bin Obada, qui était un Ansari, a regardé ses compagnons et il a déclaré « Ô mon peuple, est-ce que vous avez compris le but de ce traité et de cette promesse? Cela signifie que vous devez être prêt à affronter tout le monde, peu importe qui il est, et offrir n'importe quel sacrifice. » Les Ansars ont répondu «
Oui, nous comprenons cela. Mais ô messager d'Allah, qu'est-ce que nous allons recevoir en échange à ce pacte? Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a répondu: vous recevrez le paradis d'Allah qui est la plus grande de toutes les récompenses. Tout le monde a déclaré: nous sommes d'accord avec ce marché. Ô messager d'Allah, tendez la main. Le saint prophète, paix soit sur lui, a sorti sa main bénie et ce groupe de 70 dévots s'est vendu au saint prophète, paix soit sur lui, dans un pacte de défense. Le nom de cette allégeance est connu sous le nom du second Bayra d'Aqaba. Après le serment d'allégeance, le saint prophète a déclaré: Moïse a nommé 12 chefs de son peuple, 12 chefs qui ont agi en tant que superviseurs et protecteurs de leur peuple. Je souhaite également nommer parmi vous 12 chefs qui seront vos superviseurs et protecteurs. Ils seront comme les disciples de Jésus pour moi, et ils seront responsables devant moi concernant leur peuple. Ainsi, proposez-moi des noms des personnes qui sont dignes à cet égard. Par conséquent, 12 personnes ont été proposées et ont été approuvées par le saint prophète. Le saint prophète leur a expliqué leur devoir. Pour certaines tribus, le saint prophète a nommé 2 chefs. En tout cas, les noms de ces 12 chefs sont les suivants: Asad bin Zurara, Usaid bin Hudayr, Abul Haytham, Malik bin Tahyan, Saad bin Ubada, Bara bin Mahrour, Abdullah bin Rawaha, Ubada bin Samit, Saad bin Arabi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Amr, Saad bin Khaythama, le compagnon que j'évoque ici, il était un de ces 12 chefs, et Munthir bin Amr. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est arrivé à Médine, il a logé chez Kulthum bin al-Hidam à Quba. On dit aussi que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait logé chez Saad bin Khaythama. On rapporte aussi qu'il logeait chez Kulthum bin al-Hidam, mais qu'il rencontrait les gens chez Saad bin Khaythama. Après la première Bayra d'Aqaba, le saint prophète Muhammad paix soit sur lui a envoyé Moussa bin Omer à Médine pour la formation des musulmans. Et après quelque temps, Moussa a demandé au saint prophète paix soit sur lui la permission d'accomplir la prière du vendredi à Médine. Le saint prophète paix soit sur lui lui accordait cette permission et lui donna des directives à ce propos. Ainsi, la toute première prière du vendredi a été accomplie chez Saad bin Khaythama à Médine. Cette référence a été tirée de Tabaqat al-Kubra. Saad bin Khaythama avait un puits à Quba nommé Al-Kharz. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait l'habitude de consommer son eau, et il avait déclaré que cette eau était en fait une des sources du paradis et son eau était très désaltérante. On lava la dépouille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec cette eau après son décès. Ali rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait déclaré: après mon décès, faites venir 7 outres d'eau du puits Al-Hals et lavez-en ma dépouille. Abu Ja'far Muhammad Ali rapporte que la dépouille du saint prophète Muhammad paix soit sur lui a été lavée à 3 reprises avec cette eau et avec des feuilles de jujubier alors qu'il portait encore sa chemise. Sa chemise n'avait pas été enlevée. Ali Abbas et Fadar avaient lavé la dépouille du saint prophète Muhammad paix soit sur lui. Selon un autre récit, Usama bin Zayd, Shukran et Aus bin Khawli avait aussi participé au lavage de la dépouille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lassé des persécutions des Quraychites, quand les musulmans arrivaient à Médine, eh bien leur première étape était la maison de Saad bin Khaythama. Tous ceux qui sont venus à Médine ont passé par la maison de Saad bin Khaythama. On trouve entre autres les noms de Hamza, de Zayd bin Harith, d'Abu Kabsha, qui était un esclave du saint prophète, paix soit sur lui. On trouve aussi le nom de Abdullah bin Masoud.
tous ont passé par la maison de Saad bin Khaythama lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Suleyman bin Abban rapporte ceci. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, se mit en route pour Badr, Saad bin Khaythama et son père ont exprimé le souhait de l'accompagner. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, en a eu connaissance, il a déclaré « Un seul des deux peut venir » et ils peuvent faire un tirage au sort. Khaythama a dit à son fils Saad, « Un seul de nous peut partir pour la bataille. Tu n'as qu'à rester auprès des femmes pour assurer leur protection. » Saad a dit à son père, « Si une place au paradis n'était pas en jeu, eh bien j'aurais donné préséance à ce que vous venez de dire, mais je souhaite moi-même tomber en martyr. » Ils firent donc un tirage au sort, et c'est le nom de Saad qui est sorti. Il accompagna donc le saint prophète Mohammed, que ce soit lui à Badr, et il tomba en martyr entre les mains d'Amr bin Aboud. Selon un autre récit, il aurait été tué par Touaima bin Adi. Touaima a été tué par Hamza lors de la bataille de Badr et Amr bin Abdi'oud a été tué par Ali lors de la bataille du Fossé. Selon un autre récit, Ali a déclaré, lors de la bataille de Badr, lorsque le jour s'est levé et que la bataille a débuté entre les mécréants et les musulmans, eh bien, j'ai vu sur un dune de sable Saad bin Khaythama qui était en train de se battre contre un mécréant, et ce mécréant tua Saad. Le mécréant portait une armure métallique. Et il était monté à cheval. Il est descendu de son cheval et il m'a reconnu, mais moi je ne l'avais pas encore reconnu. Il m'a provoqué pour un duel. Je me suis avancé. Lorsqu'il s'est avancé, il était sur le point de m'attaquer lorsque je me suis déplacé vers l'arrière et vers le bas, afin qu'il puisse se rapprocher de moi d'en haut. J'ai voulu qu'il s'abaisse et qu'il se rapproche de moi, car je ne souhaitais pas qu'il m'attaque par le haut. Lorsque j'ai reculé d'un pas de cette façon, l'ennemi m'a dit, « Ô fils d'Abu Talib, est-ce que tu prends la fuite ?» Je lui ai répondu, « Le temps est proche où le fils de Ishtar prendra la fuite. » Le temps est proche où le fils d'Ishara prendra la fuite. C'est-à-dire que c'est impossible. Ceci est un dicton chez les Arabes. Dans l'histoire, il est rapporté qu'un bandit avait pour habitude de venir voler des personnes. Lorsque les gens l'attaquaient, il s'enfuyait, mais il faisait provisoirement et revenait dès qu'il avait l'occasion pour mener son attaque. On utilisait sa manière de faire comme proverbe. C'est-à-dire de faire un repli tactique avant de relancer l'attaque. Ali a déclaré, « Lorsque mes jambes étaient fermement établies et qu'il se rapprocha de moi, il m'attaqua de son épée, et j'ai contré son assaut avec mon bouclier, et je lui ai donné un puissant coup d'épée qui a transpercé son armure, et j'étais persuadé que mon épée allait le tuer lorsque j'ai aperçu le reflet d'une épée derrière moi. » Il souhaitait porter un deuxième coup, mais il ajoute que j'ai aperçu le reflet d'une épée derrière moi, et j'ai baissé ma tête, et ce coup a atteint l'ennemi et a tranché sa tête et a séparé sa tête de son corps. Ali ajoute que lorsque je me suis retourné, j'ai vu qu'il s'agissait de Hamza, qui disait à l'ennemi, « Tiens, reçois mon coup, je suis le fils d'Abdul Muttalib. » Il y avait des divergences sur qui avait tué qui, et selon ce récit, Taïma bin Adi avait tué Saad et ensuite il a été tué lors de la même bataille. Selon un autre récit, le saint prophète paix soit sur lui était accompagné de deux chevaux lors de la bataille de Badr. Sur l'un se trouvait Moussa bin Omer et sur l'autre se trouvait Saad bin Khaythama. Zubair bin Awam et Miqdad bin Aswad montés sur ses chevaux à tour de rôle. Il y a différents récits sur le nombre de chevaux dont disposaient les musulmans lors de la bataille de Badr. Selon Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb, lors de la bataille de Badr, les musulmans disposaient de 70 chameaux et de 2 chevaux.
mais selon d'autres récits, il disposait de 3 voire de 5 chevaux. Quoi qu'il en soit, la quantité des biens que possédaient les musulmans et le nombre de chevaux ou de chameaux dont ils disposaient était incomparable à ce que possédaient les mécréants. Cela est incomparable au nombre de chevaux et de matériel que possédaient les mécréants. Mais lorsque l'attaque fut lancée contre les musulmans, lorsque la guerre leur a été imposée, et que les mécréants sont venus avec la volonté d'anéantir l'islam, eh bien ces croyants n'ont pas regardé leurs propres possessions ou leurs chevaux. Ils avaient l'ardent désir de consentir à un sacrifice dans la voie de Dieu. Cela peut se voir grâce à la réponse qu'ils ont donnée. Ils ne se sont pas souciés des choses mondaines. Il n'était que question de sacrifice dans la voie de Dieu. C'est pour cette raison que le fils avait dit à son père qu'il ne peut pas accorder préférence à son père dans cette voie. Ils avaient un désir ardent qu'Allah a accepté et Allah leur a accordé la victoire. Qu'Allah exalte continuellement le rang de ses compagnons. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ